C'est Monsieur de Catina qui m'envoie vers vous, mesdames. Il veut que vous sachiez que de grands malheurs arrivent à vos frontières. De grands malheurs, dites-vous? Il vous dit que le duc de Savoie et son armée ont franchi la frontière des Alpes et s'apprêtent à envahir votre Dauphiné. Vierge sainte, est-ce possible? Comment ces gens-là ont-ils osé? Vous semblez étonnamment méconnaître la situation du royaume de France pour réagir ainsi, ma fille. Depuis de longues années, notre bon roi Louis est harcelé de toutes parts. Les finances de l'État sont en perdition, comme les nôtres, d'ailleurs. L'opportunité était trop belle pour le duc de Savoie de nous envahir maintenant, quand nous sommes affaiblis. Mais ce que vous dites là, mère, est horrible à entendre. Hélas. C'est pourtant la triste réalité de l'époque dans laquelle nous sommes obligés de vivre toutes les deux, esseulés et vulnérables. Mais René et Louis accourront pour nous protéger. Vos frères sont très loin, ma fille. Et trop occupés à mener leurs propres affaires. Dieu seul sait quand et de quel côté cette armée de mercenaires surgira à l'horizon, dans le seul but avoué de nous exir. Mère, pourquoi vous êtes-vous sentie obligée de dire, devant ce messager, que mes frères semblent se désintéresser de notre situation? Je dis encore ce que je veux dans ma maison. De toutes les façons, ce messager ne m'a rien appris que je ne sache déjà. Quoi? Vous aviez eu vent de cette invasion et vous ne m'en avez rien dit? Vous êtes d'humeur chagrine, ma fille. Je n'ai pas voulu vous alarmer plus qu'il n'est nécessaire. Mais cette armée, cette guerre à la porte des Alpes. Lointaine, ma fille, lointaine. Nous avons déjà assez de problèmes à régler depuis la mort de votre père sur ce vaste domaine qui est le nôtre. Nos terres menacent, ruines. La baronnie d'Alérac et celle des Plantiers réclament une présence soutenue et puis toutes ces lettres d'État à rédiger pour faire reculer nos échéances. Les boulangers, les tailleurs qui rechignent à nous livrer sans être payés d'avance. Croyez-vous que nous ayons besoin de davantage de contrariété en ce moment? Mais comment vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a la guerre sur sa côté? Mais il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la guerre. Que se passe-t-il, mademoiselle? Êtes-vous tombée? Mais non, Jeanne. Tu vois bien que je n'ai rien. Qu'est-il arrivé à toutes vos belles robes? Mes belles robes, comme tu dis. Elles me semblent moins belles aujourd'hui. Elles sont le dernier témoignage de ma gloire passée. Dieu sait comme je pourrais m'en commander de nouvelles. Pourquoi dites-vous cela? Ma mère m'annonce que nous sommes désargentés. Notre famille serait désargentée. Te rends-tu compte, Jeanne? Déjà que nous avons dû renoncer aux fêtes, à recevoir nos amis, et cette guerre qui maintenant menace le Dauphiné. Je pressens que nous allons vivre des jours sombres, Jeanne, et j'en suis attristée pour tous ceux qui nous entourent. Moi, je les trouve très belles, ces robes. Je m'en contenterai bien. Enchanté de vous rencontrer, Madame la Marquise de la Tour Gouvernay. Moi aussi, monsieur. Mais appelez-moi Phillis, comme tous mes amis. Où êtes-vous encore passée, Jeanne? Quels sont ces bruits? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, Pascalin? Mademoiselle, un homme a pénétré par ruse dans votre château. Il en voulait sûrement à vos vies. Rassurez-vous, Pascalin et moi l'avons surpris et capturé à temps. Que serait-il advenu si nous n'avions été là? Oh, poursuivre et que Dieu en soit remercié. Comment se présente-t-il? Il a l'air plutôt malade et ensanglanté. Oh, poursuivre, il est pas beau à voir. En vérité, il a l'air plutôt mourant. Ah oui, c'est pas beaucoup défendu. Mais que me comptez-vous là, tous les trois? Comment un homme mourant pourrait-il me menacer? La prudence est de mise aujourd'hui, ma fille. Peut-être cet homme n'est-il pas plus blessé que vous et moi? A-t-il argué quelque chose pour sa défense? Je ne vois pas comment il aurait pu parler. Il a juste tendu ce billet qui tenait dans sa main. Donne-moi cela, Paul. Pour Gabriel Boule, pitié. Ce nom m'est inconnu. Montrez-moi cela, ma fille. Serait-ce l'une de vos connaissances, mère? Cela est impossible, cela ne peut être vrai. Qu'avez-vous? Ce nom semble surgir d'outre tombe, oui. D'outre tombe. Comment cela? Ce nom est celui d'un ami que j'ai bien connu. Un confident. Un homme mort depuis bien longtemps, très longtemps même. À qui songez-vous? Le Gabriel Boule que j'ai côtoyé était pasteur dans le village de Vinsobre. C'est lui qui m'a marié avec votre père. Mon défunt mari, que Dieu prenne soin de son âme. Mais c'était il y a près de 60 ans. Oui. D'autant plus qu'à l'époque, ce pasteur semblait avoir 40 ans passés. Cela ne saurait être lui. C'est impossible. Serait-ce l'un de ses fils? Il ne s'est jamais marié. Quelqu'un de sa famille? Il y a peu de chances qu'un membre de cette famille ose se présenter devant moi. Trop de déshonneur entoure cet homme depuis certains événements. Amenez-le ici, nous en aurons le cœur net. Sûrement pas. De mon vivant, jamais plus un protestant ne pénétrera dans mes appartements. Moi, je veux le voir. Et savoir pourquoi il s'est recommandé de ce Gabriel Boule afin de parvenir jusqu'à nous. Méfiez-vous, ma fille. Méfiez-vous de votre entêtement. Si cet inconnu vous saute à la gorge et vous homicide avant même que vous ne prononciez le moindre mot, vous serez alors bien puni de votre obstination à vouloir juger des événements dont vous ignorez tout. Amenez-le ici, vous dis-je. Attendez. Cet homme n'a pas 30 ans. Ce ne saurait être lui. Mais qui est-il alors? Il a l'air si calme. Méfiez-vous. C'est peut-être un subterfuge. Les plaies qu'il a au visage et aux mains semblent bien vraies en tout cas. Laissez-le ici, mes amis, et allez reprendre votre ronde. Je préfère me retirer, plutôt que d'assister à un spectacle aussi déshonorant dans ma propre maison. Hélène, apporte-moi vite de l'eau de vie, des serviettes et une bassine d'eau chaude. Voyons cela. Ami ou ennemi? Pauvre enfant. Mon pauvre enfant. Mais cet homme a été crucifié. Ô Seigneur Jésus, que n'ai-je été parfaite dans mes actes et dans mes pensées? Que ne vous ai-je remercié comme j'aurais dû le faire pour tous les bienfaits que vous m'avez donnés depuis ma naissance? Mais pitié, ne m'abandonnez pas maintenant. Pas dans cette épreuve. Le peu de faits que vous m'avez conté, Madame la Marquise, ne laisse pour moi subsister aucun doute. Mais j'en conclus qu'en vérité... Vous en concluez quoi, Monsieur le curé? Ah, voilà ma fille, justement. J'ai demandé à notre curé-comte de venir urgemment me visiter pour évoquer le cas de ce garçon que j'ai dû recueillir bien malgré moi. Bien le bonjour, Mademoiselle de la Charce. Bien le bonjour, mon révérend. Votre bon abbé me confiait avant votre arrivée que ce cas relevait sûrement du démon. Et que ce jeune protestant... Permettez, Madame la Marquise, je n'ai pas été aussi catégorique. Mais je crois pouvoir affirmer que ce jeune homme appartient au mouvement des petits prophètes du Dauphiné, dont vous avez sûrement entendu parler, Mademoiselle de la Charce. Vous savez, nous entendons tellement de sornettes dans nos provinces reculées. Mais il ne s'agit en aucune façon de sornettes dans l'affaire qui nous occupe ici. Le cas est grave, très grave même. Répétez donc à ma fille ce que vous aviez commencé à me confier. Vous savez qu'à la suite de l'édit de Nantes révoqué par notre roi Louis XIV, nombre de protestants ont lâchement fui la France pour se réfugier dans le canton de Genève. Mais vous ignorez peut-être que ceux qui restèrent continuèrent secrètement leur cérémonie, jusqu'à se croire chargés par Dieu d'une mission prophétique. Depuis, certains d'entre eux, surtout des enfants et des jeunes gens, prédisent à voix haute dans leur sommeil des choses surprenantes. C'est de ces enfants que vient leur surnom de petits prophètes. Dans leur sommeil, dites-vous? Oui, et c'est d'ailleurs ce qui caractérise ces jeunes prophètes. Alors qu'ils semblent profondément endormis, ils chantent des psaumes, annoncent les merveilles de Dieu, prédisent même l'avenir, ou lancent des invectives contre l'Église catholique. Mais comment leur est venue pareille folie? Notre évêque soupçonne que ce mouvement fut inspiré et concerté à Genève. Pour lui, l'origine de ce mal serait à rechercher du côté de l'orgueil et d'une imagination échauffée par la piété et les privations répétées. Mais un enfant ne saurait rechercher de telles choses. Vous avez raison, mademoiselle de la Charce. C'est pourquoi nous suspectons quelques ministres protestants un peu scrupuleux d'avoir manipulé ces jeunes gens et de leur avoir fait croire qu'ils possédaient dans leur sommeil des dons surnaturels. Ne croyez-vous pas, monsieur le curé, que c'est plutôt le désespoir d'être rejeté de tous qui a fait naître en eux cette soif de miracle ? Vous avez entendu votre curé combe, mademoiselle. Pour lui, ces petits prophètes sont des imposteurs. Si c'est le cas, nous le découvrirons rapidement, car alors ces prédictions seront fausses. Et vous, que croyez-vous? Que ces jeunes gens ont vraiment le pouvoir de divination? Que c'est l'Esprit Saint qui parle par leur bouche? Que fait-il maintenant? Rien, il dort. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Je ne sais pas, je dormais. Et là, Jeanne, que dit-il? Il dit... Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera. La parole de Dieu demeurera. Le méchant sera séché comme l'herbe qui est fauchée. Et il aura beau crier sa douleur, rien ne le sauvera. Rien ne le sauvera. Et maintenant, que dit-il? Attendez. Il parle entre ses dents. C'est très difficile de le comprendre. Alors? Il dit des choses. Quel genre de choses? Des choses que je ne peux répéter à mademoiselle. Parle, Jeanne. Non, non. Je te l'ordonne. Il dit, dans son temps, le roi et la noblesse seront déchus de leur pouvoir. Et ils ne gouverneront plus la France. Quoi? C'est impossible. Les rois alliés à des familles nobles comme la nôtre gouvernent depuis la nuit des temps. Il est donc impossible que nous disparaissions. C'est bien là une preuve que votre soi-disant prophète dit n'importe quoi. Je vous avais prévenu, ma fille, de ne pas le laisser prendre ses aises dans notre château. Mais là aussi, vous n'en faites qu'à votre tête. Dieu seul sait à quel tourment il va falloir nous attendre à cause de la présence de votre petit protégé protestant. Il a aussi annoncé la victoire de notre armée face au duc de Savoie. J'aurais pu le faire à sa place, car il est évident que jamais Sa Majesté ne pliera devant de si lâches adversaires. Il a aussi prédit que plus tard, vous me survivrez, mère. Cela serait peut-être préférable pour l'avenir de notre lignée. Car si vous donnez crédit à tous les illuminés de la terre, il est fort possible que notre famille disparaisse à jamais. Vous le jugez sévèrement, mère. Mais vous ne savez rien de la vie de ce jeune homme, ni par quelles épreuves il est passé. Je sais, moi, qu'il est sincère et honnête. Ah, vous êtes là, ma fille. Je vous cherchais partout. Mais vous dormez? Toujours avec ce maudit roman à la main. Je sais combien ce livre lastré a pu avoir une mauvaise influence sur vous, ma pauvre enfant. Tout cela à cause de cette Antoinette Deshoulières. Sortez de vos rêves. Réveillez-vous, ma fille. Nous ne vivons plus à l'époque des druides gaulois décrits par Monsieur Durfé, mais à celle de Louis, le XIVe. La vie auprès de toi, Antoinette, semble si simple et si heureuse. Si tu es heureuse en ce moment, je le suis aussi. As-tu amené le roman lastré comme je te l'avais demandé? Je ne m'en sépare jamais, car je sais tout ce qu'il représente pour toi. Nous relisions ensemble le passage de Daphnis. Ne le connais-tu pas déjà par cœur? Allons donc. Où diable peut bien se cacher ce texte passionné? Le voici. Voilà. Par pitié, arrêtez de me faire languir. Madame Antoinette de la Fonte Bois-Guérin Deshoulières. Comme il vous plaira, mademoiselle Philippe de la Charce, de Montmorin et de Valdoul. Et de fortune. Daphnis, la chère amie de Diane, étant le soir auparavant arrivée avec Caliré, ne voulut point manquer de voir sa chère amie de laquelle elle était demeurée fort longtemps absente. D'aussi loin qu'elles se reconnurent. Laissant toute la compagnie, elles coururent, les bras ouverts, et s'embrassèrent avec un si grand contentement qu'elles firent bien paraître que l'absence n'avait eu guère de pouvoir sur l'affection qu'elles se portaient. Après s'être tenues quelque temps de la sorte, Astrée et Phillis, qui survinrent, les contraignirent de se séparer afin de participer aux caresses qu'elles se faisaient. « Voyez ma compagne, lui dit Diane, ce que j'ai acquis depuis que vous ne m'avez vue. Voici deux autres Daphnis que j'aime comme ma vie et que je veux que vous aimiez aussi, étant assurée qu'elles vous aimeront comme vous m'aimez. Et voulez-vous que je vous dise ce qu'il me semble de l'amitié? C'est une musique à plusieurs voix qui, bien unies, rendent une très douce harmonie. Mais si l'une désaccorde, elle fait oublier tout le plaisir qu'elles ont donné auparavant. J'aimerais tant que rien ni personne jamais ne nous sépare. Afin que le livre de Monsieur Durfé évoque toujours notre amitié, je porterai dorénavant le prénom de Phyllis et vous celui de 10e muse. Qu'en pensez-vous ? C'est une merveilleuse idée. Faisons donc comme cela. Ma chère Phyllis. Ma chère Phyllis. Ma chère Phyllis. Et si nous relisions ensemble le passage de Daphnis? Je porterai dorénavant le prénom de Phillis, et vous, celui de 10e muse. J'aimerais tant que rien ni personne jamais ne nous sépare. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Sais-tu qu'à Paris, je suis devenue une femme de lettres reconnue et que j'ai même été élue académicienne. Des écrivains tels que Bossuet, La Rochefoucauld, Perrault ou Cormeille se pressent dans mon salon. Et pour te prouver que malgré tout ce temps passé, je n'ai pas oublié ma chère Phillis et ses baronnies, j'ai composé un petit poème pour toi. Je l'ai intitulé « Épître chagrine à Mademoiselle de la Charce ». Eh bien, quel aveugle chagrin vous occupe aujourd'hui? Vous gardez un profond silence? Vous, aimable Daphné que l'aveugle fortune condamne à vivre dans ces lieux, ne vous plaignez jamais de votre destinée. Il vaut mieux 1000 et 1000 fois s'entretenir avec vos rochers et vos bois plutôt que de passer une heure ou deux avec un tas d'étourdis et de coquettes. Avec les loups et les serpents de vos sombres retraites, le commerce est moins dangereux. Ma chère Antoinette, tu ne peux t'imaginer à quel point ta joie de vivre me manque si cruellement aujourd'hui. Vouloir toujours relire ce poème de Madame Deshoulières ne peut que vous chagriner, ma fille, et vous rendre encore plus amère l'infortune que vous avez de devoir vivre en ces tristes montagnes. Si ma mémoire est bonne, cette Antoinette Deshoulières était liée aussi à Madame de Sévigné, la grande amie de notre famille. Madame de Sévigné et cette Deshoulières ont su conclure toutes les deux un mariage avantageux et mènent depuis à la cour une existence des plus enviables. Comme il est dommage, ma fille, que vous n'ayez en cela suivi leurs exemples. En prenant un mari, en y représentant dignement notre famille. Et qui administrerait les terres de notre famille si je ne m'y employais en lieu et place de mes frères ? Qui prendrait soin de votre quotidien si je n'étais là pour y veiller? Tout doux, ma fille, tout doux. Le marquisat de la Tour Gouvernay est avant tout le mien, avant qu'il ne devienne peut-être un jour le vôtre. Ne l'oubliez pas. Je ne saurais l'oublier, mère. Vous me l'avez déjà répété plus de 100 fois. Je sais qu'à votre naissance, vous reçûtes le nom de Catherine Françoise de la Tour Gouvernay et que votre futur mari se nommait aussi Pierre de la Tour Gouvernay. Vous me dites moins que vous étiez des cousins si proches que votre famille de Montauban s'éleva contre ce mariage au point que votre tante engagea un long procès. Vous me dites encore moins qu'il fallut attendre les lettres patentes de Louis XIII pour officialiser votre union quelques 7 ans plus tard. Vous ne me dites jamais que ce cousinage très proche coûta peut-être la vie à 6 de mes frères et sœurs, déjà disparus sur les 13 de notre fratrie. Que faites-vous là, mesdames? Nous vous écoutions prophétiser. Tais-toi, Jeanne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Sais-tu ce que tu nous as raconté? Je ne me rappelle jamais de ce que je dis dans mon sommeil. Si cela constituait une preuve que tu appartiens aux petits prophètes, il est préférable que tu continues de l'ignorer. Par contre, j'aimerais savoir ce qui t'a amené jusqu'à notre château de la Charce et pourquoi tu portais ces étranges blessures. Je voudrais savoir aussi qui t'a révélé le nom du pasteur Boule. Je me souviens. Oui, une nuit. Notre maison envahie de soldats. Ils insurgissaient de partout. Avec mes parents, nous fûmes emmenés dans une prison de Grenoble. Enfermés 3 ans. Oui. 3 longues années de privation. Puis, mon père voulut revenir en Dauphiné. Ce ne fut que brimades et humiliations quotidiennes. Chaque semaine, l'un de nos frères ou de nos sœurs était martyrisé devant nos yeux par des catholiques. Puis la grâce d'un sommeil extatique toucha certains d'entre nous. Mais je n'ai rien voulu de tout cela, mademoiselle. Croyez-moi, je n'ai rien demandé de particulier à Dieu. Mais ces blessures sur ton corps, qui rappellent les stigmates du Christ. Moi aussi. Je suis martyrisé à mon tour. Comment de tels bourreaux peuvent-ils se prévaloir du titre de chrétien? Comment de telles exactions sont-elles encore possibles à notre époque? Je suis furieuse de tout cela, furieuse de nous savoir encore si cruels et tyranniques. N'avons-nous donc rien appris des siècles passés? Je ne saurais vous dire, mademoiselle, je ne connais rien des siècles passés. Tais-toi, Jeanne! Tu dis n'importe quoi! Et qu'en est-il de Gabriel Boule? C'était un pasteur célèbre en son temps. Mon grand-père possédait plusieurs de ses ouvrages et nous en parlait toujours en termes élogieux. Puis, pour une raison que j'ignore, Son nom ne fut plus jamais prononcé devant moi. En traçant ce nom sur un coin de papier, j'avais l'espoir que quelqu'un se souvienne de lui et me vienne en aide. Mais je ne sais rien sur cet homme, croyez-moi. Je vous dis vrai. Tranquillise-toi. Moi non plus, je ne sais rien sur cet homme. Mais je finirai par en percer le secret. C'était un pasteur célèbre en son temps. Son nom ne fut plus jamais prononcé devant moi. Mais je ne sais rien sur cet homme, croyez-moi. Que faites-vous là? Je suis là parce que vous avez demandé à me voir. Moi? Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Allons, mademoiselle de la Charce, vous qui êtes si perspicace d'habitude, faites donc un petit effort. Vous êtes un pillard. J'ai l'air d'un pillard? Non, Dieu m'en garde. Mon habit, par contre, devrait vous aider à mieux le deviner. Vous êtes... Vous seriez le pasteur Gabriel Boule? Serviteur. Et pourquoi êtes-vous là? Je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui avez demandé à connaître mon histoire. Êtes-vous vivant? Je veux dire, êtes-vous réel? Si vous obtenez les réponses aux questions que vous vous posez à mon égard... Que je sois réel ou non, n'y changera rien. Pourquoi ma mère parle-t-elle de vous en termes si peu élogieux? Elle doit être en désaccord avec certains de mes choix. Lui auriez-vous refusé votre bénédiction de mariage à cause de ce problème de cousinage? En aucun cas. Auriez-vous tenté de la séduire? À nouveau, que le ciel m'en préserve. Je suis resté célibataire toute ma vie. Malgré le statut de pasteur qui m'autorisait le mariage. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? J'aimais davantage Dieu que je n'aurais aimé une femme. Mais j'aimais davantage encore la gloire et les honneurs que je n'aimais Dieu. C'est pourquoi, comme l'apôtre Pierre, je l'ai trahi 3 fois. Vous avez renié vos convictions religieuses? Je sais qu'en faisant cela, j'ai peiné beaucoup de gens qui m'étaient proches, à l'image de votre mère, dont j'étais le confident et l'ami. Mais que je sache, vous et votre famille, ne venez-vous pas aussi d'abjurer votre religion? Alors, réveillez-vous, ma fille! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Le jour est levé depuis longtemps. Je m'inquiétais. Vous sembliez dormir si profondément, j'ai cru que vous ne reviendriez jamais à vous. Vous m'avez fait sortir d'un rêve, mère. Un rêve vraiment étrange. Très sûrement. Nous en reparlerons plus tard, si vous voulez bien. Pour l'heure, revêtez l'une de vos plus belles robes. S'il vous en reste une. Nous avons une visite importante qui s'annonce. Une importante visite? Quel personnage important se risquerait à s'aventurer jusqu'à notre château de la Charce? Nous attendons le marquis de Larrey, me murmura Hélène à l'oreille. Mais qui peut bien être ce marquis dont je n'avais jusqu'à présent jamais entendu parler? Mystère. Soyez le bienvenu, marquis. Je vous en prie, prenez place. Je suis épuisé. Si vous saviez ce qu'il m'en a coûté, madame, de venir jusqu'à votre château de la Charce, toutes ces heures de chevauchée, cela à cause des indispositions dont je souffre. Aussi, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir pris sur votre convalescence pour venir nous visiter, ma fille et moi. J'ai régulièrement été tenu informé de vos inquiétudes, madame la marquise. Et si je puis vous tranquilliser d'une quelconque manière, j'en serai votre serviteur. Nous avons entendu tant de rumeurs se répandre ces derniers temps sur nos terres, que je souhaiterais connaître de votre bouche l'exactitude des faits qui se sont déroulés depuis l'entrée de ces troupes étrangères en Dauphiné. Il vous faut d'abord savoir, madame, que cette guerre a plusieurs raisons. À l'origine, nous la devons à cette coalition signée il y a 4 ans par la Suède, les États allemands, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et le duché de Savoie. Hélène. Mais ce duc Victor Amédée de Savoie était de nos amis, ça me semble. Et il me paraît bien jeune pour s'engager dans une telle bataille. À la vérité, il n'a que 27 ans. Mais il a eu comme maître notre lieutenant général Catina, qui lui rédigea, au temps où nos 2 pays s'entendaient à combattre les Vaudois, un mémoire sur la guerre tactique dont il se sert actuellement pour nous combattre. Ah ! Ce duc est bien ingrat envers ses anciens maîtres. Il faut dire que dès le début, nous avons manqué d'artillerie de campagne. Comment est-ce possible ? Quelle en est la raison ? La mort de Monsieur de Louvois. Croyez-vous que nous soyons nous-mêmes menacés de telles exactions dans nos montagnes ? L'ennemi n'est pas encore ici, madame. Il lui faudrait parcourir plus de 40 lieues pour y parvenir. Et ce serait sans compter sur notre détermination à le repousser. Non, ce que vous devez craindre, ce sont ces redoutables bandes de pillards qui précèdent l'armée de Savoie et qui, eux, n'ont ni foi ni loi. Ne pourriez-vous laisser ici quelques gens de votre garnison pour nous protéger, ma fille et moi? Je comprends votre alarme, madame la marquise. Mais le duc de Savoie m'a laissé sans garnison et sans réel commandement. Néanmoins, pour vous servir au mieux, je vous tiendrai informé régulièrement par courrier de l'avancement des troupes ennemies. En attendant, je vous conseille de faire appel aux populaces des plaines et des montagnes alentour, qui sont souvent plus emplis de courage et de bravoure que leur rusticité de mœurs ne pourrait le laisser croire. Que vous arrive-t-il, ma fille? Encore une de ces chaleurs qui vous incommodent. J'ai eu moi-même beaucoup à en souffrir, fut un temps. Il est certain que ces vapeurs qui s'élèvent du bas-ventre pour nous embraser la tête ont l'effet ordinaire de nous tourmenter l'esprit. Mais peut-être avez-vous trop donné foi au récit de ce marquis de Larrey. Il n'a eu de cesse de nous apleurer, tout en nous assurant de l'éloignement des combats. Certes, mais qu'en est-il de ces bandes de pillards qui sillonnent la région? S'ils osent nous menacer jusqu'ici, nous repousserons ces Allemands, comme nous en avons repoussé d'autres bien avant eux. Mais comment, mère? Comment y parviendrons-nous sans soldats, sans armes, et sans aucun homme pour nous défendre? En priant beaucoup notre Sainte Vierge. Elle seule sait toujours, en tant que femme, nous conforter et nous guider au mieux. Voyez, ma fille, la charmante surprise que je vous ai préparée. Ces musiciens italiens m'ont été chaudement recommandés par le seigneur de Vérone. Je pensais qu'un peu de musique vous ferait du bien. Croyez-moi, mère, j'étais l'esprit enclin à la fête ou à la danse. Il ne s'agit pas de cela, mais juste d'un moment agréable que nous pourrions partager. Allez-y, messieurs, jouez-nous donc un de vos airs préférés. Levez-vous, monsieur. Ouais. Vous êtes une femme. Comment ça, une femme? Excusez, signora, mi scusi. Ne savez-vous pas que notre créateur interdit à la femme de se travestir en homme? Quelle abomination! Commettez-vous là en défigurant le bruit. Si la nature nous a distingué des hommes, c'est pour éviter aux femmes de se ridiculiser sous des habits virils. Sortez à l'instant chez moi. Et estimez-vous heureux que je ne vous dénonce pas aux autorités. Sortez à l'instant. Grazie. Et que Dieu vous bénédisse. Sortez. Sortez. Que va penser madame votre mère? Ne l'avez-vous pas déjà assez fâchée avec votre petit protégé? Venez vite, que je vous ôte ses vêtements. Si un couple de musiciens errants a eu le courage de se travestir pour survivre, pourquoi une personne de mon rang ne tenterait-elle pas aussi tout pour survivre? Et puis moi, je les trouve plutôt saillants, ces habits d'homme. Ils facilitent grandement la marche. Ouais. Sont beaucoup moins encombrants que les nôtres. Cette veste appartenait à Achille. Il la portait quand il fut tué dans cette maudite guerre en Hollande. Là, c'est l'épée de mon frère Pierre, avec laquelle il se battit vaillamment jusqu'à la fin. Le pauvre. Mais d'où sortez-vous un tel accoutrement? De la main de mes frères. Au moment où j'ai revêtu les habits de mes frères, j'ai senti leur présence m'envelopper. J'ai vu leur visage me sourire. J'ai entendu leur voix m'encourager. Oui, je crois que cet accoutrement, comme tu dis, me donnera du courage, me portera chance. Encore faut-il qu'il recueille l'approbation de madame votre mère. Voilà bien un domaine où l'on ne saurait jurer de rien. Les vieux ouvrages poussiéreux de mes frères vont peut-être trouver enfin leur utilité. Tout à fait, mademoiselle. Regarde celui-ci. Il pourrait se révéler très utile dans notre situation. L'art des armes ou la manière la plus certaine de se servir utilement de l'épée. Assurément, mademoiselle. Écoute ce que dit en conclusion le sieur du Verdier. La peur de mourir fait faire bien souvent des choses étranges. On dit que ceux qui se noient prendraient une barre de fer ardente pour éviter ce genre de mort. Aussi, la plupart de ceux qui combattent s'attachent à prendre les épées les plus tranchantes avec la main toute nue, aimant mieux perdre une main que tout le corps. D'où il arrive souvent que des ignorants et maladroits en cet exercice tuent des gens adroits, braves et vaillants, sans rien savoir des ruses de cet art. Tu imagines, Hélène? Des maladroits peuvent tuer des gens adroits sans rien connaître au maniement de l'épée. Oui, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Hélène? N'ai-je pas l'air d'un vrai duelliste? Et si nous allions vous remettre une robe, mademoiselle? Décidément, ma pauvre Hélène, toi aussi tu ne comprends rien à rien. D'après Hélène, je ne semblais pas vraiment assurée au maniement de l'épée. Aussi, je jugeais plus prudent de parfaire également mon éducation en matière d'armes à feu. Ce premier coup de feu était raté, certes, mais qu'à cela ne tienne. Celui-ci sera pour le cul de monsieur le duc de Savoie. Plus sérieusement, sur quoi allais-je donc bien pouvoir m'entraîner? Sur l'un de ces rôdeurs qui braconnent allègrement mes terres? Ou plus modestement, sur un lapin? Mademoiselle de la Charce, est-ce bien vous? Je suis heureux de vous trouver en ces lieux. Et j'ai une missive importante de la part du marquis de Larrey. À votre intention. Merci, mon brave. Vous le remercierez en notre nom d'avoir tenu parole. Mère, nous avons reçu une missive du marquis de Larrey. Inquiétante. Dois-je m'alarmer en premier de cette lettre ou de votre tenue? De la lettre, mère. C'est la plus inquiétante des deux. Son contenu doit être vraiment préoccupant. Si vous pensez qu'à lui seul, il puisse occulter votre extravagance vestimentaire. En attendant que je vous dise tout le mal que je pense de cette inconvenance, faites-moi donc la lecture de cette lettre. À Madame la Marquise de la Tour Gouvernay et sa fille, en leur château de la Charce. Les occasions de vous servir, mesdames, me sont précieuses. C'est pourquoi, comme promis, je viens vous informer de l'avancement des ennemis en Dauphiné. Mais les nouvelles que je vous rapporte ne sont pas bonnes, et je ne voudrais pas alarmer davantage Madame la Marquise en dressant un tableau trop noir de la situation. Je me dois pourtant de vous rapporter que le duc de Savoie, après avoir pillé la ville de Gap, semble maintenant vouloir marcher sur Grenoble. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre au plus vite et sans attendre votre hôtel particulier de Nyons afin de vous y trouver en sécurité. La seule bonne nouvelle que je puisse vous apporter en réconfort, c'est la petite vérole dont souffre depuis peu le duc de Savoie et qui l'a obligé à se rabattre sur Embrun. Ainsi privés de leur chef, ces soldats ont dû ralentir leur marche en avant. Votre serviteur, marquis de Larrey. Si ces pillards menacent vraiment nos terres, il va falloir nous armer de courage. Ne serait-il pas plus judicieux de nous armer d'épées bien solides? Je comprends, ma fille, la noble intention qui est la vôtre de vouloir protéger nos gens. Mais voulez-vous donc, à cause de cette guerre qui n'est en rien la nôtre, je dois aussi vous pleurer. Comme j'ai pleuré vos deux frères, qui sont morts les armes à la main. Et mourir dans la honte de n'avoir rien entrepris pour sauver nos terres et nos gens, ne serait-il pas plus dur à supporter pour notre famille? Nous allons faire venir le meilleur forgeron de la région afin qu'il confectionne des armes et tout tenter pour repousser ces gens. Voilà ce que notre noblesse de sang nous ordonne de faire et que nous allons entreprendre, malgré la crainte que vous en avez, mère. Voilà le genre d'épée que j'ai ordonné de marteler pour vous, mes amis. Que voulez-vous que nous fassions de cela, mademoiselle? Vous défendre. Croyez-vous que lorsque nous avons besoin de nous défendre, nous prenons cela? Et qu'utilisez-vous alors? Des armes à feu? Vous savez pertinemment, mademoiselle, que la possession d'armes à feu nous est interdite. Ah oui, puisque la chasse nous est interdite. Oh, bien sûr. Nous vous avons toujours fidèlement obéi. Mais si cela ne vous gêne pas, nous préférerions combattre avec nos propres armes. Oui, oui, des faux, des serpes, des grands couteaux. Oui, sûr, des grands couteaux. Oui. Croyez-vous que de simples outils pour les champs suffiront à repousser une armée de pillards? Non, bien sûr, non. J'ai une idée, mademoiselle. Oui. Et si pour repousser ces pillards, oui, nous utilisions quelques nègres au regard si effrayant, ou l'un de ces sauvages américains, mangeurs d'hommes, au visage rougi du sang de ses victimes. Tout cela n'est pas très réaliste, mes amis. Par contre, nous pourrions nous servir d'une arme plus redoutable encore. Une arme qui est l'apanage seul de notre sexe et à laquelle aucun homme ne saurait résister, fût-il le chef de toutes les armées de pillards. C'est donc pour mener à bien ce projet insensé que vous enquérez depuis quelques jours de jeunes filles sans mari de la région? Mon ami, ce ne sont pas des jeunes filles que je recherche. Ce sont des anges. Des anges incarnés dans des corps de femmes. Que t'arrive-t-il? Non, rien. Un instant, j'ai cru entrevoir. Et c'est avec un si frêle édifice que vous escomptez repousser une armée de brigands? Pourquoi pas? Nous autres femmes sommes aussi déterminées que vous lorsqu'il s'agit de combattre un ennemi. Mais ces questions de guerre ne sauraient concerner le sexe qui est le vôtre. Laissez cela aux hommes d'armes qui ne redoutent point l'affrontement. Comme vous. Qui vous dit que je redoute l'affrontement? On voit bien, mademoiselle, que vous n'avez jamais eu à repousser d'armée. À la différence de vous, messieurs, qui avez affronté de nombreuses armées depuis que Dieu vous a fait naître. Je n'en ai affronté aucune, il est vrai. Mais j'ai dû me défendre contre des adversaires un peu plus cruels et qui m'ont laissé pour mort. Je suis effrayé à la seule pensée que ces pillards soient de la même espèce, ou peut-être bien pire. C'est pourquoi il faut les affaiblir, par tous les moyens possibles. Mais à quoi songez-vous exactement pour neutraliser ces pillards? À quoi je songe exactement? Si nous profitions qu'ils sont à notre merci pour faire disparaître définitivement ces pillards. Non, 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 je refuse que nous en arrivions à de tels extrêmes. Quel cruel dilemme doit être le vôtre, mademoiselle, que de devoir choisir celles et ceux qui devront se sacrifier dans une guerre qui n'a rien la nôtre, comme dit votre mère. Mais vous vous alarmez à tort, car vous en sortirez victorieuse. Comment le sais-tu? C'est Dieu qui me l'a dit. Néanmoins, je veillerai à ce que sa parole soit respectée, en surveillant moi-même et chaque jour les terres qui bordent notre château. Mademoiselle, une bande de pillards a été vue errante à peine à 2 lieues d'ici. Des pillards à moins de 2 lieues d'ici. 2 lieues d'ici. Qui te l'a dit? L'un de mes frères que j'avais envoyé en éclaireur les a vus. Il m'a dit qu'ils se cachent le visage derrière des foulards et parlent entre eux un mélange de français et d'allemand. Il a pu comprendre néanmoins qu'ils s'attaqueraient le village de Pomerol tôt demain matin. Demain matin, les tuer? Mais nous ne sommes pas encore prêts. Mon frère a ajouté qu'ils n'étaient qu'une dizaine, mais d'un aspect redoutable et terriblement bien armé. Aucun d'entre nous n'a jamais combattu, vous le savez, mademoiselle, ni tué personne. Que croyez-vous qu'il va advenir de nous? Il va advenir ce que tes frères et toi avaient toujours fait. Mettre tout en œuvre pour survivre. Malgré la neige, la sécheresse, la famine, la maladie ou la mort de vos enfants, vous avez toujours su trouver la force de continuer à vivre. C'est dans cette force qu'il va nous falloir tous puiser demain matin pour surmonter notre peur et notre épouvante. Vous savez, si la bataille va par ici. Bien, mademoiselle. Il suffit, mes amis. Merci pour vos conseils et vos encouragements. Nous passerons par ici, en suivant le défilé ici, puis par le col, pour les attaquer par surprise, demain matin. Je pense que c'est la meilleure solution. Et nous les surprendrons avant qu'ils nous attaquent. Oui. Et si Dieu le veut, nous vaincrons ces pillards. Que faites-vous ainsi, mademoiselle, dans le noir? Tu m'as fait peur, Jeanne. Pardonnez-moi. Je cherchais à entendre si notre petit prophète n'annoncerait pas notre victoire pour demain. Vous croyez donc à ses pouvoirs? Que vas-tu t'imaginer? Me crois-tu donc si naïve? Non, je me disais que peut-être il pourrait nous souffler des conseils, des encouragements. Tu as raison, il est idiot de ma part d'imaginer qu'il puisse nous aider. Je n'ai jamais dit cela, mademoiselle. Je sais, moi, que Dieu se sert des prophètes pour nous parler. Et je suis sûre que demain, notre Seigneur sera derrière chacun d'entre nous pour nous soutenir, si par malheur nous faiblissions. blessée, mademoiselle. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Maman. Ta mère est là pour te soutenir et te protéger. Ne pleure pas, mon enfant. Maman. Sèche tes larmes. Tout va aller pour le mieux. Maman. Ne vous avais-je pas assez mis en garde, ma fille, contre pareille folie? Comment imaginiez-vous combattre ces pillards à vous toute seule? Aidez-moi! Aidez-moi! Sois courageuse, ma chérie. Cette maudite guerre prendra fin bientôt. Tu guériras de ta blessure. Plus tard, ton nom sera synonyme de vaillance et de bravoure. Beaucoup t'acclameront pour ce que tu as réalisé. Et ainsi, par un destin glorieux, tu auras rendu à Dieu les bienfaits qu'il t'avait confiés à la naissance. Sois heureuse, maintenant. Ma tendre, mon aimée, ma très chère Phillis.